Si la société Morel et Prom Gabon et les autorités locales de la province du Moyen-Ogoué ont signé le 15 décembre 2023 un protocole d'accord pour des actions en faveur du bien-être des populations du canton Lac du Sud, 8 mois après, la matérialisation est perceptible. La cérémonie de ce jour, marquée par la remise de matériel informatique, de communication, de bureautique et de celui visant l'optimisation des embarcations communautaires, marque une nouvelle avancée dans la mise en œuvre du protocole quadripartite signé le 15 décembre 2023. Après de nombreuses réalisations, Morel et Prom Gabon et le gouvernement gabonais viennent à nouveau de faire un don de matériel au comité de développement durable locaux des Lacs du Sud d'une valeur de plus de 45 millions de francs CFA pour le développement de la contrée. Cette dotation d'une valeur globale de 46 434 184 francs CFA facilitera, nous l'espérons, la communication et la gestion administrative au sein des CDDR. Cette initiative témoigne également d'un engagement collectif pour l'essor des communautés locales. Je suis convaincu que cette dotation et ces formations contribueront significativement à l'autonomisation des populations locales et à l'émergence de nouveaux talents. La remise de ce matériel aux représentants du comité de développement durable locaux des Lacs, Ezonga, Ogemoué et Onangé marque une étape supplémentaire dans le processus engagé par les autorités de transition visant à rendre les populations autonomes.